Tu chauffes la cire, que ça soit un peu molle, oui, peu importe la couleur. Nous sommes dans le camp de la transportation. Entre deux cases, Firmé Sanou est un artiste sculpteur fondeur originaire du Burkina Faso. Sous le regard attentif de ses stagiaires, il leur apprend une technique de fabrication d'objets en bronze avec pour base l'argile. Ils travaillent d'abord avec la cire, ils font une pièce en cire et c'est ça la matière de base. Et ensuite, ils vont modeler avec l'argile. L'argile qu'ils auront à mélanger avec la toile de jute ou de croûte tendane. Et en fait, après, on fait une cuisson. Et la cuisson, accompagnée par une fonte de métal, métal qu'il s'agit d'un alliage de cuivre, de zinc et de thon pour avoir le bronze et ensuite couler dans le moule pour casser la terre pour récupérer la pièce. C'est toute une étape. Ces hommes et ces femmes découvrent pour la première fois l'art et la technique de la fabrication d'un objet en bronze. Un univers jusque-là inconnu pour eux. C'est vrai que le bronze, ça paraît tellement lointain pour nous. Et on voit comment les artisans arrivent à faire des sculptures quand même d'un très haut niveau. Quoi. Moi, tout ce qui est manuel, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, me servir de mes mains pour fabriquer des objets, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que ce genre d'atelier m'attire. Marie-Hélène et Bérénice avaient eu l'occasion de voir l'exposition de l'artiste Firmé Sanou. Du bout des doigts, elles ont voulu, par la pratique, découvrir cet art africain. Inspirées, elles donnent forme à leur objet. Avant de venir, j'avais dans l'idée de faire un repose-carte. Et puis, du coup, j'ai modelé ma main. J'ai essayé de modeler ma main. En tout cas, je trouve que c'est intéressant. Ça développe l'imagination, la créativité. Et puis, le fait de modeler à la cire et puis après la fonte, etc., à l'argile, je trouve ça intéressant. Voilà, j'essaie de reproduire un cheval en bronze de la Grèce antique. C'est une forme que j'aime beaucoup et du coup, voilà, c'est l'occasion de fabriquer moi-même mon cheval. Firmé Sanou partagera son art et ses techniques ancestrales avec des stagiaires jusqu'au 5 décembre prochain et par la suite, proposer une exposition au public. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.